Bonjour mon frère. Salut. Tu fais quoi? Les toc toc. Tu fais les toc toc? Oui. Et tu fais ça ici? Ici? Je m'arrête à Elat, je rentre encore. Ah, tu t'arrêtes à Elat? À Elat. Après tu rentres encore? Je rentre. Ah, donc tu vas comme ça à Elat? Mmh, à Elat. Et là tu sors d'où? Je sors de Kouabang. Kouabang? Kouabang, au chante fait le Kouabang. Non. Donc tu pars dans Kouabang tous les jours pour aller faire le toc toc à Elat? Non, pas tous les jours. Pas tous les jours. Donc chaque fin du mois, non? Oui. Je suis. À chaque fois, tu vas. C'est combien de kilomètres en Kouabang, Elat? Bon, c'est l'autre que je ne connais pas. Tu ne connais pas? Mon premier escale, je m'arrête à Koulmeyang. Ah, tu t'arrêtes avant en Koulmeyang? Oui. Après, je m'arrête un jour aussi à... Après Koulmeyang. Mince. Koulafamba. Voilà. Koula Famba, c'est Marc Vision Fouet, non? Bon, l'autre là. Et tu ne maîtrises pas. Oui. Mais attends, regardez. Il n'y a personne ici là. Attends, et quand tu marches comme ça, tu trouves les clients en route? Des maisons. C'est que j'ai pointé même en route maintenant. Aïe, maison. Donc tu fais maison par maison? Maison, oui. Et là maintenant, tu vas à Elat directement? À Elat, oui, directement. Mais Elat, ce n'est plus loin? Ce n'est pas loin. C'est là, ici, au Carrefour. Là. Il y a la gendarmerie là-bas. Après, tu vas rentrer à Yaoundé? Je rentre à Yaoundé maintenant, je faisais 1-2-1-2. Mais, vous voyez ça? Ce n'est pas aujourd'hui, c'est là-bas. Voici un gars. Mmh. Voici un gars qui fait les toc-toc. Oui. À l'axe loup. Oui. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Youssoufa. Youssoufa? Youssoufa Madi. Bon, et quand tu viens comme ça, tu peux pointer combien la journée? La journée, parfois j'ai déjà 4000. 4000? Oui. La journée. Mais. Voilà combien de temps là, j'ai déjà 2000 posés. J'ai déjà mangé aussi là où il y a le chapalo là. Oui, là où il y a le chapalo, oui. Tu as mangé? Oui, j'ai déjà mangé. Mince. Non, parce que c'est un peu extraordinaire qu'on voit un toc-toc à l'axe loup comme ça là. Mais pourquoi tu ne restes pas faire ça en Kouabang seulement? La place, tu vas payer. La place? La place. Oui, mais tu peux marcher aussi de maison en maison, tu marches aussi en ville comme les autres. Nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux? Il y a les Centrafricains. Oui. Il y a maintenant les Niger. Les Niger? Oui. Tu es de quelle nationalité? Je suis des Nordistes. Tu es Nordiste? Ah, tu es Camerounais? Oui, 100%. Oui. 100%? Oui. De quelle ville? Marwa. Mince. Ah, mais ça c'est extraordinaire ça. Donc tu as pointé 2000. J'ai déjà pointé, j'ai déjà mangé. Tu as pointé, tu as mangé. Oui. Maintenant tu cherches ton bénéfice pour rentrer en Kouabang. Non, il y a même le bénéfice, mais j'ajoute d'abord, je m'arrête là où il y a la limite. Oui. Maintenant pour retourner, pour ne pas que la nuit te trouve là-bas. Oui. Et quand il pleut, tu fais comment? Non, il y a les gens que je connais, comme les boutiquiers, comme les cafétérias là. Je leur demande, ils me donnent l'espace, je dors sur le banc. Mince. Mais ça c'est à saluer, hein. Malheureusement, moi ma chaussure. Si ma chaussure avait... Je pas seulement bon, blanc. Ce que je vais faire, c'est que... Étant donné que tu pars à Elat, tu vas monter avec moi, je te dépose à Elat. Merci beaucoup. Parce que moi, j'apprécie vraiment ce que tu fais. Ça, c'est un exemple de... Vraiment, mince. Les gens cherchent l'argent ici dehors, vous voyez ça? Quelqu'un marche à l'axe loup pour chercher l'argent. Pour pointer 4000 francs la journée. Il fait des kilomètres et des kilomètres comme ça à l'axe loup. Hein? Tu es presque à Elat. Je connais les maisons ici, non? On me connaît aussi. Mince. Oui. Tu as dit que tu t'appelles comment? Youssoufa. Oui. En tout cas, je vais te déposer. Viens monter avec moi et te dépose quand même à Elat. Mince. Le gars cherche l'argent à l'axe loup. L'argent n'est pas facile à travailler. Hein? Quand ils voient les gars, certains gars sont là. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas chercher l'argent. Ils attendent que Dieu fasse le miracle dans leur vie. Oui, entre. Voici un gars qui fait les toc-toc. Il y a souvent, quand c'est bon, vers peut-être les petites fêtes là, oui. J'arrive au Konolinga. Tu arrives souvent à Konolinga? Oui. Tu marches? Je marche jour pour jour, non? Jour pour jour. Le gars dit qu'il marche à Yaoundé à Konolinga en faisant les toc-toc. Et tu dois en cours de route? Je demande les gens, non? Tu demandes aux gens qui peuvent te donner juste l'espace, je dors. On te donne juste l'espace, tu dors? Oui, je dors. Et je dors là où il y a beaucoup de gens. Oui, ferme la portière. Tu dors là où il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Je n'aime pas dormir. Et quand tu dors là, tu payes? Non, je ne paye pas. On t'aide seulement. Oui, on m'aide. Comme ils sont en train de t'aider là. Voilà. Bon, là, on est à l'axe loup. Ça, c'est l'axe qui va à l'est. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a trop les gros portiers ici là. Mince. Mais j'ai vraiment, j'ai tenu à saluer ce brave Camerounais, ce gars qui cherche l'argent, la gare.
Les gars, cherchons l'argent. Ceux qui sont là disent que la vie est dure, et ils ne font pas les efforts. Là-bas, c'est un gars qui marche à Yaoundé à Koninga pour faire les toc-toc. Gars, je te tiens un coup de chapeau. Bon, on avance d'abord là-bas, après on va voir comment on peut faire. D'accord? Ok. Mince.